Salut, c'est Woogies et aujourd'hui on sort de ma cuisine pour partir à l'aventure avec Deleuze. J'ai eu la chance de découvrir avec Chris comment on cultivait les poires conférences. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire un petit tour de tracteur dans les allées des poiriers. Nous y étions pile au moment de la récolte et nous avons donc eu la chance de voir comment étaient traitées les poires après être cueillies. On commence par un petit bain pour les laver. On les sèche gentiment, elles sont ensuite triées et rangées par cagette, et direction les étals des magasins. Et vous me connaissez, on est aussi venu là pour manger, et donc ça part sur un risotto poire et gorgonzola. On commence par ciseler des échalotes et râper finement de l'ail. On met de côté et on fait chauffer 1 litre de bouillon de légumes. On se munit d'une poire bien fraîche, on l'épluche et on enlève les pépins, et il nous reste plus qu'à la couper en tout petits dés. On veut des petits cubes pour qu'ils se lient parfaitement avec nos grains de riz. On peut mettre de côté, et quand tous nos ingrédients sont prêts, on va pouvoir lancer la cuisson du risotto. On dépose du beurre et de l'huile d'olive dans une poêle bien chaude. On fait revenir une minute ou deux l'échalote, l'ail et les poires, une pincée de sel et on mélange. On verse le riz à risotto dans la poêle, on le remue à sec une minute histoire que les grains soient translucides. On déglace avec un verre de vin blanc qu'on va laisser s'évaporer quasi complètement. On ne veut pas le goût de l'alcool, juste les saveurs. À partir de maintenant, on est sur un jeu de patience et on ajoute progressivement le bouillon chaud pendant environ 12 minutes jusqu'à ce que le riz soit al dente. Lorsque le riz est quasiment cuit, on y ajoute une louche de bouillon, notre gorgonzola, et on mélange une généreuse dose de poivre, on émince finement une demi-poire, et il ne reste plus qu'à dresser le risotto dans une assiette. Il faut qu'il soit bien crémeux. Pour le goût et la texture, on peut ajouter quelques noix concassées, un filet d'huile d'olive et du poivre. Mangez ce risotto bien chaud et régalez-vous. À très vite pour une prochaine aventure gourmande.